www.potonapoto.com. Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe Noire, rendez-vous vite. Bisoto Ali Inter Express Business. Tout le monde est na bateau, pe na avion. En tout cas, il n'y a pas d'abisso, ma collier, ça l'a deux jours, livré dans Kinshasa. Enlèvement, au fêlé. Donc, il y a vendredi, au plus tard, mardi, Bozana Yango. Petit colis. Et l'Anda Kanabal. Grand colis. Et l'Anda Kanabal. Pona. Dans ma voix, on a vu ici. Exact. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. À tous dans la province Nini. Sokoko Makata. Pour les transferts de fonds, argent, rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouke. Inter Express, comme ça. Inter Express, à Paris. Moi je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Vous merci. Vous avez de l'esprit de vengeance, ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Merci. Mais c'est un député, non? Non, député, parce que vous avez besoin, on nous fait changer de terre. On fait changer quoi? Impunité, il faut aussi l'état des droits au monde. C'est qu'à corrompre. Non, mais non, mais. Ma portée. Ma portion là, sans vous. C'est quoi, maintenant, pour côté, les papas gardent. Ouais, bah, on a pas gardé, mais là. T'as moi aussi, Naï. Ouais, moi aussi. Y'a où on y était? Moi aussi, les voilà. Il y a bim. Alors, maintenant, il va être craqué. Pourquoi vous avez tout à quoi aller? Il va finir ma casse. Bon, tu filmes de filmer. Bon, la vie sautée. Et Mende va qu'il y ait. Bon, la garde n'était. T'es au ordre. Hein? Moi, je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal.
si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici, il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Vous merci. Vous êtes animé de l'esprit de vengeance, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Merci. Moi, je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici, il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi, je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi, je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Vous merci. Vous êtes animé de l'esprit de vengeance, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait que... Et il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Merci.
Moi, je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici, il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Vous merci. Vous êtes animé de l'esprit de vengeance, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Merci. Moi je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici, il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Vous merci. Vous êtes animé de l'esprit de vengeance, c'est ça ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la République. Et on comprend, c'est la raison pour laquelle il tient à être gouverneur au Sankourou. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de CPLA TV. CPLA TV est un décodeur qui est en Boca, partout où vous êtes en Congo, dans la diaspora, au son de CPLA TV. Et ça, ma chaîne, ni à Congo, paye à Congo. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit B1 TV, aussi Bundesimage, Genesis, Pressplay, donc ma chaîne est belée, il y a Congolais, paye à Congo. Parce que je suis venu du nord au sud, de l'est à l'ouest, je suis venu à vos zones de promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Donc, vendi, tu as vu, mais vous avez quelqu'un à la promotion, vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plats, c'est que ça va client, là, vous avez dit non, donc, zone là, promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que donc, le stock, vous avez belété, mais après la limité, c'est vraiment vraiment limité. Vous allez belé beau benga pour être au sommet des codeurs à CPLA TV. Ma maman, et selon la vie, nos pays à Kuna Nakati, pour ma film, vous avez que ça soit en ligne là en français et en anglais. Ma film en nigérien, il y a ma congolais, ma africain, vraiment comme sous les ans à Kati. Ma papa, tout cas, si bino pé, tout télébino, ma chaîne, il y a sport na Kati. Football 24h/24. Et aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous la Nakati. Et aussi gospel, évangile 24h/7. Pour la minute, vous pouvez vous minuter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant, quand on est vous en la masse, vous avez un numéro, vous tine de la biso, va coordonner la bino, et puis biso peut être tine de la bino, c'est pour la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez, c'est pour la TV.